Ah bah Hagar, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour un tout nouveau best-of de la chaîne Twitch. Et oui, la semaine dernière, on s'est bien amusé, on a fait pas mal de choses, hein. Merci infiniment pour tout le soutien que vous m'apportez chaque jour. Je te dis à très bientôt sur Twitch. Gros bisous là-haut, tu sais. Ah mais j'ai la moto! Attendez, je vais rider, baby! Allez, c'est parti! Vous êtes prêts? Vroom vroom! Vroom vroom! Bon bah on va y aller à pied, c'est beaucoup plus écologique. J'adore rire. Il vient là. Oui, let's go. Trésor, trésor, le tré-tré, le zozo, le tré-tré, le zozo. Excusez-moi. Pardon. C'est l'excitation, c'est parce que j'étais... J'étais totalement euphorique et parfois bah, j'ai un peu de mal à me contenir et à me retenir. C'est bon, excusez-moi pour ce petit moment d'égarement. On reprend. Ouh. Ouh. Tu peux me redire le code, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, c'est 2. C'est 2. J comme Julien. 0. Ouais. A comme ananas. Et I comme Isabelle. Oh. Tu sais l'ananas, ceux qui mettent l'ananas sur les pizzas? Mais c'est la vie! C'est la vie! C'est une abomination! La pizza ananas poulet curry, s'il vous plaît! Oh. Vous me rappellerez de plus inviter Zikara sur le live. Bon, alors voici. Je suis désolé, mais quand Link il saute en grimpant, il dit prout. Attends. Quoi? Attends. Il faut que je fasse ça tout de suite. Quand Link... grimpe, il dit prout. On va voir. En sautant. Vous étiez sur ce jeu-là? Mais sérieux? Non, c'est sérieux? Ah, mais top! Ah, ça me fait trop plaisir! Ah, mais trop bien! Ah, trop bien! Bien sûr, je joue! Incroyable! Merci beaucoup pour le follow! Bah alors ça, c'est un follow de qualité! Si jamais un de ces quatre, vous avez besoin d'un petit rôle, je sais pas, quelqu'un qui passe dans la rue, quelqu'un d'intelligent avec de beaux cheveux, je suis là. C'est quoi ce bruit là? Il y a quelqu'un qui s'est agressé ou quoi là? J'ai entendu un... Il y a un tournage de film de boules dans les bois ou c'est quoi? Il y a quoi là? C'est un homme qui criait comme ça? Bah il est parti en fait! Il a fait sa petite affaire, il rentre chez lui. Avec l'autruche? Non, ne me dites pas qu'il a fait des trucs avec l'autruche. Mais pourquoi je peux pas sauter sur la plateforme? Allez, on donne tout, on brille, faut que ça brille. C'est bon. Mais... bravo! Élimination, oh j'étais à 99%. Oh non, le seum! 1%, oh, je sais même pas comment c'est. 99%! Allez. Oh dommage, on est vraiment triste. Sniff, sniff. C'est d'une sincérité. C'est... non, je suis vraiment peiné. Je suis vraiment très peiné. Ça respire le... la sincérité, le ah ouais, quoi. Ah ouais, je trouvais plus les mots, voilà. Tu vois, c'est comme quand t'es en soirée et tu te fais chier. Tu vois, il y a tout le monde qui danse et toi, t'essaies de te forcer, tu vois. Genre, la musique, elle est pourrie. Il n'y a pas ta boisson préférée, il n'y a pas ton pote préféré. Et tu te forces, quoi, parce que tu dis, putain, tu viens d'arriver, il est 1h du mat, enfin, je vais pas repartir maintenant. Il y a tout le monde qui kiffe cette musique, mais toi, tu sais que c'est une musique de bolos. Tu fais genre de danser, tu vois. Mais non, il y a rien, il y a pas. L'ambiance, c'est pourri, quoi. Il y a tous tes potes qui disent « Allez, viens! Viens, on danse! Oh non! Allez, c'est ma chanson! Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, connasse? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On se fait chier dans cette soirée, ok? Moi, j'aurais pu rester chez moi, en fait. J'aurais rien à foutre que ce soit ta chanson. Déjà, il n'y a pas marqué ton prénom sur le disque, à ce que je sache. Non? À part si t'as sucé le DJ, c'est pas ta chanson. 25 ans aujourd'hui pour ma part. Ah, bon anniversaire, Laetitia! Joyeuse année, anniversaire. Bon, 25 ans, t'es un peu plus vieille que moi. Parce que moi, je suis né en 92, j'ai 20 ans. 92, 20 ans, petit problème de calcul. Non, t'es pas bonne en maths, Laetitia, je pense. Recalcule. Quand on est né en 92, on a 20 ans. Et à 20 ans, on est invincible. À 20 ans, rien n'est impossible. On traverse le jour en chantant et l'amour, c'est le plus important. Tu devrais le savoir, Laetitia, je suis un peu déçu quand même. Plutôt 30, pardon.
Bah dis donc, oh voilà, il est 20h30. Et j'espère que je vais pas me faire strike ma chaîne, hein. Oh, ça va Ken, je le sens. Oh, chaleur. Ouh là 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 là, ah, mon panier d'été. Oh là 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 là. Mon dieu. Pour Twitch, c'est beaucoup ça, hein. Oh non, pas la trappe que... Ah, oh. Moi, ça me dérange pas, hein. C'est mon mini-jeu préféré. On a fait quelle chaudière. Oh là là, la chaudasse. On va essayer de la mettre dans le trou. Hop là. Il est gênant un peu, non? Alors, si tu parles de moi déjà, bonsoir. Je ne suis pas gênant. En revanche, ce qui est gênant, c'est comment tu as écrit ta phrase. Ça, c'est gênant. Retourne à l'école et merci. Qui pisse face au vent, se rince les dents. Comment tu te sens à présent? Oh, c'est Anne. Ouh là 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 là. Elle s'est mangée carrément Neptune en pleine gueule. Les planètes sont alignées en pleine face d'Océane. D'ailleurs, en parlant de planètes, si vous voulez, je peux vous chanter une chanson d'El Pokora qui s'appelle Les Planètes. Les planètes tournent tout. Oh bah ça va, merci. Non. Mais calme-toi. Oh my god. Voilà la porte. Tu sors. Mais tout le monde te croyait mort, c'est moi la première. C'était un coup monté. J'ai mis en scène, maman chérie. Mais t'es folle, Nabila. C'est quoi ces papiers, là? You're crazy, lâchez-moi. You're crazy, Nabila, you stupid bitch. Alors, excusez-moi, story time. Je me dirige vers la cuisine, puisqu'il restait deux madeleines. Et il n'y a plus les madeleines. Attends. Je me pose, là je suis comme ça, je me dis, ça doit être en dessous de quelque chose, puisque c'est mes madeleines. Et cri-cri, il a mangé mes madeleines. Ah, ça me dégoûte. De toute façon, j'ai l'habitude. Et j'ai jamais ce que je veux, au final. J'essaie de coffrer des madeleines, on me les mange. J'essaie d'être présent, je garde la tête haute. J'essaie de sourire, d'être bienveillant envers tout le monde, j'essaie de partager, d'être vraiment la meilleure version de moi-même, puisqu'on n'a qu'une vie. Et quand on me fait des coups comme ça, des coups de poignard, qu'on me vole, et qu'on me mange, excusez-moi, je rigole, mais c'est les nerfs, parce que je suis tellement choqué. Mais Madeleine, je me dis, mais où va le monde?